Salut tout le monde, c'est Game Maniac. On se retrouve aujourd'hui sur la map Shadow of Evil pour un petit glitch pour finir sur les toits de la carte. Alors ça sera pas très compliqué, il faudra être au moins 3 et pouvoir réaliser un light switch. Je vous mettrai le descriptif dans la vidéo pour pouvoir faire le light switch parce que j'ai pas pu vous le montrer dans la vidéo, mais c'est pas très compliqué. Alors dans un premier temps, il faudra que l'hôte de la partie se place à l'extrémité du train et que ça soit lui qui fasse les hack switch pour bien faire laguer tout le monde. Dans un second temps, il faudra que votre collègue active le train et vous donne le top pour faire le lag, pour se retrouver à l'endroit choisi. Et dans un troisième temps, il faudra que votre troisième collègue se suicide pour que quand il arrive sur le toit, il ne réapparaisse pas dans le train. Donc du coup, une fois que les deux collègues sont tombés sur le toit, comme dans la vidéo, il faudra qu'il réanime son troisième collègue et qu'il se suicide automatiquement directement derrière pour lui aussi ne pas apparaître dans le train. Donc il faudra bien penser qu'au moment de réanimer la deuxième fois, il faudra bien attendre que le train soit arrivé à quai, sinon ça sera retour dedans direct. Donc voilà, je vous laisse apprécier la fin de la vidéo. Je vous ai mis une petite vue libre pour que vous voyez comment se passe le lag switch. Et je vous dis à plus tard sur Game Glitcher et sur Addict Gaming Officiel. Salut tout le monde.